toute nouvelle aventure! En attendant la 1.21 qui ne saurait tarder, eh bien nous lançons une toute nouvelle aventure d'une quinzaine d'épisodes. Vous allez voir sur Evolucraft, on est en live tous les jours sur Twitch. N'hésitez pas à passer, enfin tous les jours, tous les week-ends plutôt, surtout n'hésitez pas à passer, c'est une aventure en live et tout. Et surtout une aventure avec vous. J'espère que vous allez kiffer parce que franchement, on a fait des dingueries en bulles et tout. Vous allez voir en l'épisode, il y a des timelapses qui arrivent. C'est une masterclass. Et justement, vous voulez peut-être venir jouer vous aussi parce que c'est ça qui est bien, c'est que c'est un serveur public, donc vous pouvez venir. Evolucraft, n'hésitez pas au passage à aller utiliser l'IP chômage.evolucraft.fr. C'est mon IP et si vous passez par cette IP, vous me soutenez, donc ça fait plaisir. Mais si vous voulez nous accompagner, n'hésitez pas aussi à venir dans le Discord, c'est dans la description. Il y aura une catégorie spéciale Evolucraft. Si vous allez voir avec cette aventure aujourd'hui, vous voulez rejoindre le village, nous aider à farmer, faire les projets avec nous, vous faites une micro-candidature, rien de très compliqué, tout est expliqué sur le Discord et vous pouvez venir jouer avec nous. Franchement, j'ai hâte d'avoir les retours parce que moi je m'amuse dessus, je pensais pas autant m'amuser et ça fait bientôt quasiment 3-4 semaines là, 3-4 même 5 week-ends je crois, où on tryhard, on farm, on fait des builds. C'est quoi? Je vais arrêter de vous spoiler. Vous allez voir les épisodes. Je vais essayer d'en faire deux par semaine pour attraper le rythme. Parce que là, si vous venez sur les lives cet après-midi et demain, bien, vous allez voir qu'on a beaucoup avancé. Donc, perdons pas plus de temps. Lançons l'épisode. Attendez, est-ce que chômage fonctionne? Chômage fonctionne. N'hésitez pas à rejoindre le chômage. N'hésitez pas, mettez l'IP chômage.evolucraft.fr. Ça c'est stylé. On va faire un petit tour sur le serveur Evolucraft pour ceux qui veulent. S4 Evolucraft S4 Crush qui vient d'ouvrir. Comment votre aventure dès maintenant? Dès maintenant là? Et c'est parti, join the game. Non, il y a le chat par-dessus, non! Non! Salutations, brave aventure, j'arrive pas à lire, cherche à le résoudre les. Ah, je peux pas lire. Laissez-moi t'expliquer comment tout a commencé. Est apparu les donjons. C'est en plein milieu, mais c'est pas grave. Ce fut un désastre. Nombre de résistants ont succombé. Après des mois de lutte acharnée, nous avons réussi à les renfermer. Je sais pas pourquoi Duck il a une voix comme ça, mais à quel prix? Les animations sont trop classe, par contre. Merci d'être porté volontaire pour vaincre ces dangereux donjons. Oh, il y aura des donjons, ça va être trop classe. Zou, tic tic. C'est quoi ça? La navigation. Navigation. Ah, oh, c'est trop classe quand tu l'as dans la main et tout là. C'est trop classe en vrai. En vrai, c'est vraiment trop classe. Je crois qu'on va pouvoir monter un village et tout et faire tout un village ensemble et tout. Ça va être trop cool. T'as des aides en haut à droite pour commencer le jeu. Ah, j'avais pas vu slash menu. Ok. Ville. Ok, slash menu monde. Ok, donc t'as tes villes. Ouvre le menu ville et accède aux options. On va voir ça après. T'as l'option monde. T'as les rangs, métiers, les votes, les profiles. Visiter les différents mondes et récolter les ressources. C'est exactement ce que je veux faire. Donc il y a l'Inde, le monde ressources, le Nether. On ira là, évidemment. Mais est-ce qu'on n'irait pas avant faire un petit peu des petites ressources, là? Slash A. Ah, hôtel de vente. C'est donc là où tu peux vendre des objets et les acheter. Donc, t'as le global, les armes, les outils, les compagnons, etc. Slash rang. Donc, c'est là où on voit les différents en rang. Avantage, accès à la recherche de la ville, vente, homme, de vente de l'HDV, coffre, vente, etc. Et donc après, tu peux augmenter, tu vois les points et tout. Ah, faut cliquer dessus. Ah, faut atteindre ça. Ok, dès que t'as fait tous ces objectifs-là, tu passes à l'autre niveau. Ok. Donc, dès que t'as atteint genre 25K de thunes, niveau 5, niveau de métier 10, etc., etc., là, tu passes au prochain. I know. Slash boutique. Attends, ça m'intéresse. Moi, quand ça parle de boutique, tout de suite, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est, carte de classement aléatoire? Parce que quoi, si je fais ça? Ok. J'ai eu quoi? Carte de l'archer. En absorbant cette carte pour la première fois, vous débloquez la classe archer. Ensuite, elles serviront à augmenter des niveaux. Pour faire de l'argent, il faut switch de métier selon tes activités. Ok, donc à chaque fois, tu switches un petit peu. Alors là, on a validé un métier ou pas du tout? Progression, ok. Ah, d'accord. Donc là, je suis dedans. Miner des blocs. Vous avez trop de métiers. Vous pouvez rejoindre qu'un métier maximum. Donc en gros, si je quitte ce métier-là, je peux faire ça. Et à tout moment, je peux aller sur un autre métier. Et en fait, pendant que je vais miner, je fais ça. Puis après, je quitte si je fais autre chose, etc. C'est ça la strat? Ok, je crois que j'ai capté. Les classes. Expert du combat rapproché. Classe des archers. Ok. Ah d'accord, il y a écrit carte possédée, j'avais pas vu. Allez, bad. Et donc là, je peux faire ça. Ah, c'est trop stylé, par contre, les SFX sont vraiment pas mal. J'ai eu un reward. Qu'est-ce que j'ai eu là? 15 caps. Je suis riche. Qu'est-ce que j'ai eu là? 2 blocs de diamants. Let's go. Bon, tu me diras si j'en ai eu là, c'est que c'était pas si rare que ça à voir. Ouais. Je vais casser au total de 8 blocs de roche. Aise. Mec, je suis riche en fait là. Je suis en train de devenir riche. Je vais miner un total de 8 blocs de minerai de charbon. Ouais. Attendez, j'avais oublié ce petit détail là. Ce qu'ils veulent que je fasse une armure en fer, bon, ils sont fous les types. Hein. Parce que bon, moi, pas besoin. Moi, je suis multimilliardaire en fait. Hein. On peut pas faire ça. Hein. Ouais. Attention les 1000 balles. Tentez d'utiliser une récompense. Attention, c'est dangereux. Une quoi? Une compétence? Comment on active une compétence? Ah, comme ça. Construire votre village et bâtissez un empire. Alors ça, je crois qu'il faut faire ça. Slash V create. Create. On l'appelle comment? On peut mettre Pôle emploi, hein, c'est pas mal. Hein. Choisis bien l'endroit. Ah, parce que là, si je fais slash V create, ça va se mettre là où je suis ici. Faut que je sois dans un monde construction. Ah ouais, d'accord, faut pas que je le fasse alors. Faut que je me mette dans le monde construction.
Ok. Et là, il faut que je trouve un endroit pas trop dégueu et après je fais le slash ville. Va sur la map du site. Ah, il y a une map sur le site. Oh, incroyable ça. Ok, ok, ok. Après, si on se met dans une sparse jungle comme ça et qu'on vide toute cette sparse jungle, parce que c'est pas une masterclass aussi, on supprime tous les arbres de la sparse jungle, ce serait pas une masterclass. Eh, c'est moi. Eh, je suis là. J'avoue que cette montagne, elle est jolie là, celle-là. Elle est jolie cette petite montagne là. Si on lui vire tous les trucs, on peut avoir une entrée là dans la montagne là, tu vois, ici là. Genre là, tu vois là. On se met là, ouverture de la montagne, bam. C'est combien? C'est un seul chunk quand tu setup ton truc? Venez, on se met là, ouais, on va se mettre là. Hein. 750 moins 878. Wouah, c'est tellement loin. C'est tellement loin. S'il accepte, ça régale. Oh, il a accepté! Merci. Donc, ce qui serait stylé, ça serait d'être là, tu vois, ici, là. C'est-à-dire que là, si on vire toute cette forêt-là, on a notre entrée ici dans une cave et on peut faire un gigabuild en entrée en mode très joli cave, trop stylé, tu vois, là. Et là, après, il faut creuser et tout. Qui fait que ça donne ça pour les gens qui se posent comme question. En gros, là, on est là. Et ça serait d'avoir, tu vois, cette zone-là, plus toute la zone ici, tu vois, là. Slash V create Pôle emploi. Ah, Pôle emploi a été créé. Let's go! Ça donne quoi? On le voit ou pas? Ok. Vous devez ouvrir le menu slash ville. Ok, je le fais, je le fais. Sous-zone, téléportation, banque, rôle, niveau. Oh, tu peux donner des rôles. Mais c'est trop bien fait. Oh, c'est trop, trop bien fait par contre. Tu peux tout gérer dans ta ville. Oh, visualiser les prêts nécessaires. Compléter 250 000. Comment je possède des chunks? Déposer ou retirer de l'argent, solde de la banque de la ville. Donc là, j'ai déposé 10. Si je mets 15K. J'ai déposé 15K dans la ville. Oh là là là. Ça, je vais claim. Oh. Non. Oh, ça doit pas se mettre à jour là-dessus. Ah si. Ok, tu vois la délimitation de ta zone en faisant ça. Attends, ça m'use de la thune ça en faisant ça là. Je crois que ça m'a usé de la thune, mais j'ai un 1000 balles à chaque fois. Voilà. On comprend qu'on est dans la ville de Pôle emploi. Bon, on va setup notre coffre et nos stuff ici. Et on va faire la quête de tuer des ours polaires là. Parce que bon, je crois qu'on a une quête, ça va tuer des ours polaires. Et évidemment, n'hésitez pas à user l'IP chômage. Ah ouais, ça soutient. Si vous passez par l'IP, vous me soutenez, donc ça régale. N'hésitez pas. Comment rejoindre ton village? Ok, bon, alors en gros. Alors, ce qu'il faut faire, comment on invite des gens? Membres. Inviter des joueurs. C'est à moi de les inviter, les gens? Ben, vous me donnez vos pseudos et j'invite. Ok, les amis. Notre but, c'est de monter Bourgade aujourd'hui. Ça va coûter un peu cher, mais on va y arriver. Mais what the fuck, pourquoi il y a 200K là d'un coup qui viennent pop? What? Pourquoi il y a 200K dans ma thune qui a pop là? Ils te l'ont donné, on m'a donné de la thune. What the hell? Je suis riche. Vous savez quoi? C'est du réinvestissement direct dans l'économie de la ville. Parce que nous, on croit en notre ville. Vous avez financé, ce don est tout de suite remis dans Pôle emploi. Pôle emploi City est actuellement multimillionnaire. Non, pas encore. On n'est pas encore millionnaire. Bientôt. Bientôt, bientôt. C'est un pot de vin, ça, je reconnais. Ça, essaie de m'acheter. En vrai, si vous voulez faire quelque chose, là, en attendant, moi, je vais aller farmer. Si vous voulez, ceux qui sont dans la ville qui veulent rien, vous pouvez virer tout, aplanir, si vous voulez vous amuser. Enfin, aplanir, faire que ce soit pas trop dégueu. Il y a des trous partout, là. Enlever les trucs dégueulasses, là. Rendre la ville propre, là, pour le moment, c'est désastreux. Trollande quoi. Bon, on n'est plus dans la zone, la merde. Comment ça, on n'est plus dans la zone? Ok. L'investissement ne sera pas en vain. Je suis à combien là? Ah, j'ai débloqué tout. Qu'est-ce qui manque là pour passer à un niveau? Ah, il manque un peu d'argent. Oh non, on a plus de thunes. Comment ça, on a plus de thunes? On n'est pas un milliard d'argent tout à l'heure? Ça a coûté si cher que ça de faire des claims? Ah, c'est parce que j'ai cliqué, donc ça a consommé. Ah, ça a coûté. Ah, d'accord, ok, j'ai capté. On est Bourgade. C'est quoi la prochaine? Ok. Ah, ça les a consommés, c'est pour ça, j'avais pas capté. Ok, d'accord. Et donc la prochaine ville, il faut faire 1 million de thunes dans la ville. Ça va être chaud. Hein. Il faut posséder 25. Ok, 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 ok. Ah, on a atteint le max. Ça ressemble à quoi? Ok. Bon, on fera la suite quand on aura une plus grande ville et je ferai un retour ici, un retour là, il sera pas mal. Mais là, il nous faut maintenant farmer la thunasse. Pour atteindre les 1 million. Parce que là, on est juste une bourgade, c'est pas ouf. Nous, on veut être une ville. Après, on deviendra une contrée, mais ça sera plus tard, ça. Il faut qu'on ait 1 million. Tenez, mon cher. Eh, mais ça fait un petit hub, là. Mais qu'est-ce que c'est giga cosy, là, par contre? Ça fait un petit hubby hub. Et ensuite, faire de la thune. Mais comment ça, 200K? Qui c'est qui m'a give 200K? Mais qui c'est qui a fait ça? C'est directement réinvesti dans la société. Nous ne perdons pas de temps. La banque réinvestit tout. C'est Max qui m'a filé 200K. Mais attends, mais lui il va avoir les grades de la monnaie. Il va avoir un grade. Son grade ça va être le banquier. Quelle est la meilleure façon de farmer? Je pense qu'au départ juste je vais me stuffer basiquement. Et puis ça va t'y part hein. À moi, est-ce que vous connaissez des strats pour bien farmer au départ? S'il y en a qui savent. Peut-être parce que j'ai pas toutes les clés. Je vais essayer aussi de moi. Je vais aller farmer de la moulée. Job et vote. Ok, mais on va être Jobs. Jobs. Bon, je vous laisse, amusez-vous, faites pas de bêtises. Moi, je vais aller farmer. Ça fait à peine 2 heures qu'on est là, on a un peu fait tout la wall again. À terme, ce qu'on va faire à terme, je pense, c'est qu'on fera un truc propre. À la limite, presque avoir un salon dédié sur le Discord, ça pourrait être classe. Genre, il y a le salon des subs pour le savoir sub, il y aurait le salon Evolucraft pour les gens qui veulent être sur Evolucraft, sur le chose. Ça pourrait être classe, je sais pas ce que vous en pensez. Et genre, comme ça, on pourrait faire tout un truc propre et tout, en mode classe et tout. On va faire ça, putain. Fuck! Mais pourquoi l'eau elle est pas descendue? Elle est restée bloquée sur un bloc.
J'ai un seum extrême. C'était quoi les coordonnées? Le problème c'est qu'en fait, regardez, la water ne monte pas en fait. Peut-être je peux tenter le bateau, mais est-ce que je prends des dégâts de chute en bateau, les gens? Let's go. Let's go. Ok, let's go. On a retrouvé le stuff. Ouais, ils ont fait une petite maison d'entrée. C'est bien ça, c'est genre, faites pas plus parce qu'on sait pas encore, mais c'est pas mal, c'est super là, c'est parfait. C'est les plébiens. Je vais les renommer, ça sera en recherche d'emploi. Comment on dit? Ah, c'est excellent. Oh, le RP est excellent. Chômeur. Ah ouais, non, c'est mieux. C'est encore mieux. Alors on a, je ferai ça ce soir à tête reposée. On a les plébiens, les chômeurs. Faudra je mettre la suite et tout quoi. Le nom de la ville c'est chômage. Non, c'est Pôle Emploi City. Regarde, Pôle Emploi City. Ça dépasse de l'écran tellement c'est grand. Comment allait notre banque là? Ça se porte bien ou pas? Oh, ça se porte tellement bien. Il nous reste plus que 100, 180 000 à mettre. Let's go. Il va nous falloir. Oh, mais c'est trop stylé. Mais qui c'est qui a fait ça là? Mais c'est giga stylé par contre. La maison, il va falloir l'augmenter. Enfin, faire un truc un peu différent. Mais de toute façon, faites pas de maison comme ça pour l'instant. Enfin, vous pouvez faire des maisons, amusez-vous. Mais moi, je pense que là, regardez, il y a une belle entrée ici. Là, on verra plus tard quand on aura de quoi avec les 1 million à acheter plus de parcelles. Une belle entrée ici. Là, regardez, il y a une belle entrée bas. Mais là, ça rentrait genre dans une salle un peu immense ou dans la salle on mettrait les coffres global de tout le monde et tout. Ça pourrait être trop classe. Oh, c'est trop classe. Là. Yeah. Et là, c'est le moment pour faire ça. Ah, mais c'est gentil. Attends, mais c'est quoi ça? Le truc exceptionnel. Merci, chef. Quelqu'un a une fortune. Personne a de fortune. Ça sert à rien. De toute façon, sur ça, c'est pour les sites. Donc là, ça va augmenter mon niveau de métier. Ça va être parfait. Ça. Et là, ok, on s'en aura tous du blé, on sera tous riches. Attention, le rank qui va augmenter normalement. Et... mais elle passe ces morues là? Ah ouais, ça passe! C'est tout qui est validé. Pourquoi ça marche pas? Ah, parce qu'il faut cliquer là. Et donc là, je suis débutant. Le prochain, c'est quoi? Ok, ok, aise. Attends, mais je peux peut-être déjà le faire. Ah ouais, non, faut encore de la morue. C'est chiant. Voilà, opération, les amis. Give tout mon argent. Avant ça, regardez. Ouais! Est-ce que vous êtes prêts? Regardez, est-ce que vous êtes prêts, les gens? Est-ce que vous êtes prêts? Slash V, slash Tunas, slash les 100K. Ouais! Le mignon! Normalement, regardez. On est ville. Bon, on a plus d'argent par contre, mais ouais! Il nous reste seulement 91 000. Je peux acheter des nouvelles parcelles. Ça, c'est pas mal ça. Claim. Regardez-moi cette ville de ouf là. Regardez-moi cette ville de ouf là. Personne sur le serveur n'a une ville aussi grande. Si, bon, si. Mise un peu, mais. Mais on est pas mal, non? Ok, parfait. Ce qui fait que là, on a un truc de masterclass. Regardez-moi ça là. Là, on a une zone de fou furieux là. Vous pouvez plus me dire, il y a plus de place dans cette ville. Elle est toute petite la ville. Comment ça? Comment ça, mon ref? Elle est gigantesque ma ville. Let's go! On est gradé enfin, on est dans la table. J'étais pas dans la table avant. Let's go. Si vous voulez apparaître dans la table, faut très hard les amis dans la team chômage, faut très hard. Il faut arriver légende ou héros. Compte sur vous. Devenez légende ou devenez héros. Pour ça, il faut très harder. Là, je fais quoi? J'essaye de farmer pour passer mon prochain rang en même temps et je farme de la canne à sucre et du cuir pour essayer de faire une table d'enchante. On fait plein de choses là. J'ai 3 stacks de canne à sucre. Oh, ça j'aime bien, j'aime entendre ça. Allez, slash V homme. Je veux bien que tu me les donnes comme ça je crafte tout qu'on en crafte pas x2. Ah mais elle a déjà crafté. On est à combien là? On est assez, je crois. Ouais, level 30. Let's go. Et en plus, on a 13 bouquins en plus. Ça, c'est pas beau. Ah ouais, ça bombarde de ouf, là, les champs et tout. Ah, vous avez mis des spawners, c'est trop bien, ça. Ça va peut-être être giga worse pour monter les levels. T'as un meilleur stuff avec ton légende. Mais comment ça se fait que j'ai un kit légende? Ah, c'est parce que j'ai le grade par terre. Mais fallait me le dire, ça. Je savais pas. Attendez, je vais quand même ralasse la team chômage quand même. N'hésitez pas. Qui veut un stuff en diamant? Moi, je fais profiter la team. Ah oui, c'est pété, par contre. Ah ouais. Damn. Moi, je le savais pas, moi. Ça, c'est bon, ça. Alors, qu'est-ce que ça va nous coûter, tout ce bordel? 21. 13. Oh, oh, oh. Mending efficiency 5, I'm breaking fortune 3. Et je crois qu'on aura tout ce qu'il faut. Bon, mais il faut combien de level? 32. J'ai envie de mourir. 21. Oh, attendez, regarde-moi ça. Ah, mais il faut une upgrade, je crois. J'avais oublié. Ah, faut aller dans le nether. Bon, bah, on ira dans le nether plus tard. T'as une upgrade? Ah, attends, faut pas l'utiliser, faut la dupli. Hop. Oh, mais genre. Voilà, comme ça, là, on n'en manquera pas. Regardez-moi cette pioche de ouf là. Pam pam pam. Waouh, la pioche de fou là. Moi, cette pioche de fou furieux là. Damn. Franchement, ça a de la gueule. Hein. On est parti de rien là tout à l'heure. On est arrivé à ça. Enfin, vous avez fait ça. C'est quand même pas mal. Hein. Allez, bientôt fini. Level 14. Ouais, enfin, level 15 plutôt. Normalement, si je me suis pas trompé. Ouais. Next. Qu'est-ce qu'il faut pour le next? Ça en fait. Hein. Mais avant tout, ne l'oublions pas. La patrie. Nous tenons dans notre cœur la patrie. Slash banque. Dépose 90. Ne l'oublions pas. Notre patrie dans notre cœur. Combien à la banque? 579 000. Ouais. On est riche. On a le 500 000. On rôde vers le 5 millions demain. Et ça, c'est donc. Merci. Ça marche comment? Je lâche si je clique, ça me TP. Ok, j'ai 25% de donjons rares. Niveau 10 requis. C'est quoi le niveau 10? Ça correspond à quoi le niveau 10 requis? Faut que j'aille en ressources, ok. Je vois si je le fais là. Allez, clic droit. Et là, je fais quoi? Je demande aux gens de se TP sur moi? Ah bah d'accord, j'ai rien fait, ça m'a TP. Oh non, me dis pas que... Comment je fais? Mais comment ça 10-20? Faites TP à Gold River alors. Vite.
Oh, c'est trop classe. Aidez-moi! Oh damn, ils me font tellement mal. Mais pourquoi y'a personne avec moi dans le donjon alors que j'ai invité tout le monde? Tu t'es fait kick. Ah bah super. Bon bah je vais faire le donjon tout seul hein. On est à 7 monstres restants, on est vague 1 sur 3. Attends, mais y'a combien de salles c'est gigalon? Ah mais le mec il me combo kill et il lag. Cheater va. Meurs! Mais tu! Il se TP, il triche! Il cheat! Faut le dire en modo, il triche! Oh non, là ils vont me saouler. Yeah, j'ai passé mon niveau 2 d'archer. J'ai augmenté mon solde de 46, je sais pas ce que ça veut dire, mais... Je sais pas pourquoi ça lag autant dans le donjon. Là, c'est lagiland. Au moins, ça vient pas de ma connexion, c'est déjà ça. Bon, on aura testé un donjon, c'est bête que ça lag. Ah, je crois que... Ah, something is wrong. Vous savez quoi, demain, opération donjon, demain. Alors, attendez. Oui, bah hier, j'ai un petit peu joué, il est possible. Bon, peut-être un peu beaucoup. Ce qui fait que... Alors, c'est vrai que moi, j'ai accès, je sais pas si vous y avez accès à un under chest portable. Moi, j'ai un under chest portable, ce qui fait que, bon, j'ai un petit peu farmé, effectivement, hier, 2-3 minerais. Bon. Il est possible que hier on s'était quitté avec un niveau de job mineur où j'étais level 20, c'est possible que j'ai un peu farmé et que je sois level 31. C'est possible, mais enfin c'est pas grand chose. Alors ce qui est drôle quand même c'est que le top classement est level 52, je suis à peine, alors tu me diras c'est à peine mais c'est assez loin quand même. Si vraiment je tryhard comme un malade, il y a moyen que je rentre dans le classement de top 50. Grave moyen genre, grave moyen. Et donc si je fais slash V, homme attention, découverte, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pas sûr que j'ai cliqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Si vous avez... Ah oui, c'est vrai que je peux fly moi. Bonsoir. Ouais, mais attendez, mais il y a beaucoup de monde là. Mais damn. Ah ouais, ça a farmé. Pourquoi vous avez mis des trucs? C'est si rare que ça, ça? C'est une quête? C'est pour une quête? C'est trop classe. Il a fait un... Ah mais c'est incroyable. Ah, le build est incroyable. C'est une masterclass. Mais pourquoi il a un carton sur la tête lui? Mais enfin. Oui, j'ai 280 000 dollars aussi. Bon, j'ai un peu farmé. J'ai un poco farmé. Stylé, vous avez agrandi les petites maisons de départ. Ah ouais, les coffres sont un peu plus... Là, il y a un peu plus de place, effectivement. C'est pas mal parce que hier, voilà, oh là là là, oh le bordel. On va peut-être ranger ça de manière clean. On va faire peut-être plusieurs coffres de minerais parce que là, ça commence à être compliqué. On va faire une seule de minerais avec tous les minerais en coffre. Oh, vous avez des silence temple, grossier. Le bois, tenez, comment. Ah, c'est bloc, putain, c'est pas bon, je suis aveugle. Ah, merde, alors comment je vais faire là? J'ai pas de place moi pour le bois. Bon, c'est pas mal, franchement, là, il y a vraiment beaucoup de farmers. Et ça, c'est ce qu'on veut dans l'équipe, des farmers avant tout. Moi, je suis sur un show pour un. Je suis pour un donjon, mais je sais pas comment on fait. Comment on obtient les pierres là? Tiens, c'est une bonne question. On va aller faire ça et en attendant, quelqu'un veut me répondre. Comment on obtient les pierres pour se TP dans un donjon? What, pourquoi j'ai spawn dans une quai en dessous? Bim, ça m'a fait peur. Attention, les clés que nous ont été généreusement données. Un Max. Maxence, qui nous régale, attention. C'est quoi? Une lame. Ah, il y a Smithy, c'est trop stylé. Faudrait que j'aille voir la base de Smithy, ce serait drôle. Bon, mais on va offrir des clés, moi je joue, un jour. Hein. C'est quoi? Mais laisse-moi regarder! Le réacteur dorsal, c'est... Attendez. Trop stylé. On dirait que j'ai un jetpack. Et j'avais un truc dans la main, mais je le vois pas. Il y a Skip, il me l'a pas mis, je crois. Ah si, ok. Quand j'enlève ma seconde main, j'ai un genre de sabre laser. Qui c'est qui m'a filé 100 000 balles? Bon, en tout cas, vous l'avez vu, je suis monté à 282 000. Bon, quelqu'un a balancé 300 000 balles. Je sais pas pourquoi. Je suis monté à 280 000 balles parce qu'en fait, hier, j'ai farmé les levels en mineur. Donc ça m'a gigaston. Chaque level, tu gagnes genre 80 000 points. C'est abusé, c'est n'importe quoi. J'ai surtout aussi monté ça, regardez. Rang. Monté. Et là, celui-ci, le aguerri. Il suffit en fait pour moi maintenant, s'il faut que je farme, d'avoir des poissons globes, des saumons, de la morue et des betteraves. Et je crois que tout est bon sinon. J'ai tout farmé. Ah, il faut décrire ça. Ah oui, il faut des cristaux de le donjon. Comment on trouve ça? C'est que dans les donjons, je suppose. C'est pour ça qu'il faut impérativement qu'on fasse des donjons. Attends, Sweezy. Mais Sweezy, il y allait. Je sais pas comment on fait. Le portail n'est pas encore prêt. Bah, il y allait trop vite, je crois. Hein. Attends quoi? Ou alors il faut attendre un peu. Ah non, il faut faire un jump. Ok, le donjon. Ok. Donc, il y a pas mal de trucs. Il y a des monstres, des vagues. Il y a 7 salles avec 3 vagues. T'as dit quoi? C'est si dur que ça? Honnêtement, après je sais pas, j'ai fait qu'une seule salle pour le moment. Mais ils font quand même mal hein, les mobs. Oh, ça détruit les oreilles par contre. C'est pas si compliqué que ça, mais les mobs font beaucoup de dégâts en fait. Je sais pas ce que c'est que ces clés là qu'on ramasse. Y'a un boss là, Windigo? C'est ça. Ah non, c'est Next Vague. Je crois que là il va me défoncer, j'ai comme un doute. Ça me paraît plutôt évident en fait. La première salle il y avait 3 vagues. Tiens, ouais, putain, ils sont jolis les mobs. Voilà, il a été win, je sais pas qui c'est que vous avez. Ah, oh, y'en a encore un. Ok. Next round. Ah, y'a encore un truc à manche, je crois. Bah, il est où le ref? Mais enfin, tu es où? F3 plus B. Ah, il est là. Il m'a volé ma pièce. C'est commun, vert. Ok, c'est quoi l'ordre? Vert, c'est commun. Bleu, c'était quoi? Bleu, parce que j'avais un truc bleu. Au final, on est dans un commun. On est. Ouais, c'est un commun. Oh, y'a le boss, je crois qu'il y a le boss. On est 6 sur 7. Ah, ouais, non, on est pas dedans. Oh, il est trop stylé. Ils sont classe. Je sens qu'il va me soulever, je sais pas pourquoi. Oh, il fait des. C'est quoi ça? Moi aussi, je veux le soulever, moi aussi. Alors, on le soulève. On l'a soulevé! Vous avez des coffres, vous, et moi j'en ai pas. Ah, y'a un coffre ici.
Oh, j'ai 429 000. Allez, comment la banque là? Là, je vais banque. Oh, regardez comment ça va. Ça, regardez, n'hésitez pas à procéder. Faites comme moi, slash banque. Hop, et vous faites une petite touche. C'est déposer et vous déposez toute votre thune. Allez, boum. Moi, j'ai mis 350 000 dans la banque. 500 000, hein, voilà. Oh, excuse-nous. On est à combien? On est à 1 300 000. Le but, c'est d'arriver à 5 millions. Ça va être chaud aujourd'hui. Mais... Et ben maintenant, il manque 1 200 000 à farmer et on peut taper la contrée, les gens. On peut taper la contrée. Si on arrive à taper la contrée aujourd'hui, c'est incroyable. Bon, on se fait pas un petit donjon là? Ou on fait quoi là? Je rappelle, on est arrivé hier. Hein. Après, bon, les rageux diront qu'on est trop fort, mais bon, moi je. Voilà. Hein. Bon, allez, on va se faire. J'ai 14 clés et c'est avec les clés que tu peux choper des cristaux? Ok, j'ai chopé 4 clés de cosmétiques. Pardon. J'ai une clé d'émeraude aussi. Qu'est-ce que j'ai eu? C'est quoi? J'ai eu une carte de classe aléatoire. J'ai eu 6 cartes d'assassin. Assassin rare. Pas mal, c'est pour la classe assassin. Ouais, c'est pas mal. Ça veut dire quoi que j'en ai 6? Ça veut dire que je peux monter plus de niveaux ou... En gros, c'est pour passer les niveaux, il me semble. Pourquoi il me tape, Cassia? Oh, il a une autre clé. Il a une autre. Ojiro, il a une clé TP. Ouais, donc là, tu débloques tes classes. Et donc là, si je fais ça et que je vais dans la classe assassin, bam, il me dit que j'ai 6 cartes possédées. Ah ouais? On le tente ou pas? Ah, c'est bon, il est bon. Venez. Let's go! Enfin. Ok, let's go. Ok, il en reste plus, c'est bon, next. Oh là, c'est un boss par contre, fais gaffe. On l'a tué, ouais. Je crois que c'est le boss, c'est la sale boss, c'est le dernier. La technique, c'est... Oh, il balance des plantes et tout. Oh, il m'a mis midlife. Comment je suis en train de soulever? Ouais. Et donc là, il doit y avoir des coffres qui vont pop en l'air, je crois. Ou alors, c'est pas supposé être en l'air, je pense. Mais faut cliquer. Clique sur les coffres. Ah, j'en ai une. J'ai eu un cristal de donjon. Let's go. Ah d'accord, ok, t'as certains coffres que tu peux avoir que quand t'as un certain abonnement. Oh, j'en ai eu deux. Ok, j'en ai eu deux, let's go. J'ai eu deux cristals de donjon. Genre si je fais menu, non plutôt rang, et que je fais ça, et bam. Oh, c'est tellement long, 2 sur 16. Ça va être tellement long de faire tous les donjons. Oh, il reste plus que 100k, j'ai les 100k. Et regarde bien. Faites comme moi, faites comme le patron. Déposer, boum. Et là, slash banque, 5 millions. Alors, slash V, niveau. Nous avons tout pour passer le niveau ville. Ouais. Ah non, c'est pas sûr, merde. Contrée, ouais. Est-ce que vous voulez qu'on accepte le contrée? Allez hop, c'est parti. Niveau 4. Oh, tame le niveau 4. On est une contrée. Bon, maintenant on rôde vers les 25 millions. Ah oui. Ouais, full netherite. Ouais, c'est qui le full netherite? C'est moi. Ouais, on a commencé hier. Ouais, j'ai 10 heures de jeu. Ouais. Pourquoi j'ai 357 000 là de thunes là? Pourquoi j'ai 357 000 thunes là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ah non, il y a écrit Winsome m'a dit cadeau. Mais pourquoi cadeau? Ah, mais il m'a vraiment offert 250 000 Kadox. Mais pourquoi? Il m'a offert 50 000 Lupamail. Faut arrêter. Mais il va faire plus de visites, hein, c'est bon. Hein. Ouais, plein de visites. Il y en a qui veulent que je visite. Ça sera 50k pour la visite. Hein. Bon, merci, c'est du réinvestissement directement dans l'économie de notre ville, évidemment.